Au-delà de rassembler le peuple Tupuri, le Feokage ou la fête du coq, est un moment de communion avec les ancêtres pour la protection des familles, avoir une pluie abondante sur un sol fertile pour des récoltes abondantes. La célébration de ce samedi 16 décembre 2023 ici à Douala s'est articulée en deux temps forts. La séquence rituelle avec l'immolation du coq, qui est la partie réservée aux initiés, et les manifestations culturelles qui sont populaires et réjouissantes. À Douala, nous nous limitons à la deuxième séquence afin de transmettre ce volet culturel à nos enfants. Le coq, symbole de cette fête traditionnelle, est choisi par un chef supérieur et spirituel pour invoquer les esprits. Son immolation est faite par le guide spirituel selon un rituel bien défini. Le coq est la personne qui fait le sacrifice. Il prend le feu et puis avec, il fait la pierre et tue. Après, il lance quand ça tombe de ce côté. On prend maintenant, on tue. Après, on prépare tout le monde vraiment. Le côté sur lequel se couche le coq après s'être débattu est important. La gauche annonce un malheur, sur la droite, c'est un événement heureux. Prières, messages de dialogue, de réconciliation et de bonheur accompagnent le rituel. Ce samedi 16 décembre 2023, rassemblés au collège Saint-Michel de Douala, les vaillants guerriers armés de tambours et de tam-tam ont esquissé pas de danse et autres rites pour le bonheur de leur famille et curieux. La cérémonie qui a connu la présence de Mgr Samuel Cléda, fils du terroir, était placée sous le thème « Pour la préservation de la paix » et l'unité nationale.